Quel rôle jouez-vous, Platonov? Vous êtes le héros de quel roman? Le cafard? L'ennui? La lutte des passions? L'amour avec préface? Mais oh! Tenez-vous comme un homme! Vivez comme tout le monde, imbécile que vous êtes! Il me semble que Tchekhov n'a cessé que de s'interroger sur la manière de faire du théâtre à son époque et souffrait bien souvent de la manière dont les metteurs en scène s'emparaient de ses pièces. Donc cette dimension-là, cette mise en abîme d'un théâtre en train de se faire, on la retrouvera dans « Regardez la neige qui tombe ». On m'aurait mise diplomate, j'aurais retourné le monde! Je suis... Attention de ne pas durcir. C'est ce qu'on se disait en répétition sur la toupie émotionnelle. C'est-à-dire quand t'as envie de rire, tu pleures. Quand t'as envie de pleurer, tu ris, mais sois jamais dans une surenchère. La révolution de Tchekhov, c'est qu'il invente une nouvelle figure héroïque. Une sorte de loser magnifique qui a une lucidité joyeuse, même dans les situations désespérées. Et Platonov, c'est le champion du monde des losers. Donc reste du côté de la vie. C'est effectivement ce que j'appelle, j'emprunte cette notion à Michel Vinaver, une pièce paysage. À l'inverse des pièces machines avec une intrigue, un déroulement linéaire qui nous emmène vers une fin. J'aime bien cette idée de convier le spectateur dans un paysage. Ce paysage sera composé par quoi? Par à la fois des correspondances de Tchekhov, des fragments de ses œuvres, principalement Platonov, mais on va retrouver évidemment Oncle Vania, un fragment de l'ours. Enfin, j'arrive ici, à 70 verstes de chez moi, j'espère être payé. Et là, qu'est-ce qu'on me sert? Des étapes d'esprit. Comment voulez-vous que je ne sois pas en colère? Et puis également parce que le théâtre qui me passionne aujourd'hui, c'est un théâtre en train de se faire. C'est une dimension qu'on retrouvera naturellement dans la pièce de Tchekhov. Et il y a cette idée de partager avec les spectateurs une expérience. Il n'y aura évidemment pas de quatrième mur dans cette représentation. J'ai vu bien plus de femmes que vous n'avez vu de moineaux. Les femmes m'ont valu 3 duels. J'ai abandonné 12 femmes. 9 m'ont abandonné parfaitement. Je l'ai trouvé devant ma porte un soir que je rentrais chez moi. Partout elle me fait escorte, elle est revenue, la voilà. La renifleuse des amours mortes, elle m'a suivie, pas à pas, la garce. Le diable l'emporte, elle est revenue, elle est là. Avec sa gueule de carême, avec ses larges yeux cernés, elle nous fait le cœur à la...